Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on arrive à la page 8 et on va faire un peu différemment. Vous voyez, je vous parle en direct aujourd'hui pour rattraper mon retard. Désolée, hein, mais avec mes soucis de santé et tout, voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard. Voilà, Fifi qui vient vous dire bonjour, qui vient m'embêter. Donc là, j'ai déjà coupé notre page de fond comme d'habitude. Donc je vous rappelle les dimensions 28,5 sur 20. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, j'ai gardé la bordure du bas. Voilà, je vous montre. Hein, puisque chez Toga, il y a toujours une jolie bordure en bas. Je vais déplacer un peu Fifi. Voilà. Mais voilà, ma mémère. Et j'ai commencé à tracer mon cadre. Alors en haut, donc en bas, la petite bordure, là j'ai pas besoin de tracer puisqu'elle va me servir de base, elle fait 1 cm, donc si vous n'en avez pas, vous tracez à 1 cm. En haut, vous refaites un trait à 1 cm, voilà, et de chaque côté, ici, 1,5, voilà. Et j'ai tracé le milieu, donc le milieu est à 14,25. Voilà, donc 14,25, je vérifie que c'est bien du bord, oui, c'est bien du bord de votre feuille. Donc comme d'habitude, ne tracez pas trop fort vos traits, hein, pour ne pas avoir de difficultés après pour gommer. Voilà, donc là, je vais faire des petites portes. Bon, Fifi, là, s'il te plaît, ça va pas être possible. Donc, il va y avoir deux portes. Oui, deux portes. Je réfléchis. Donc, il va y en avoir une un tout petit peu plus longue, puisque je voudrais qu'elles se rabattent l'une sur l'autre. Donc. On prend du premier trait. Mais arrête! Mais arrête! Viens là! Viens maman! Je suis comme ça pour aller plus vite, mais alors avec elle, on est mal barré. Hein? Alors, ça, ce qui fait que là, on est. Le milieu est à 12,25. Donc 12,25, on n'oublie pas qu'il faut rajouter la petite marge pour faire ce qui va revenir à l'intérieur, hein, puisqu'on va faire des fentes. Donc 12,25. Fifi, pitié. Donc, alors, c'est 12,25. Je fais 2 cm en plus pour la marge qui va revenir à l'intérieur. Et j'ai une porte. Voilà. Et j'ai une porte qui fera 1 cm de plus. Voilà. Et j'ai une porte qui fera 2 cm de plus. 1, 2, 4, 5. Là, du coup, vous avez tout en direct. Hein, Donc vous en avez une 15,25 et une à 16,25. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc en largeur, j'ai oublié de vous dire la hauteur, excusez-moi. Et la hauteur 18. Un petit 18. Alors, 15,25. Voilà. Je coupe ma première porte. Et j'ai oublié d'éteindre mon téléphone.
Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. On est en plein jour, mais sous lumière artificielle. Ça y est, l'automne est bien installé. Je sais pas chez vous le temps qu'il fait, mais... Non, bah ben alors, je peux couper. Voilà. Alors que je change bientôt ma lame. Donc, je vais vérifier que j'ai bien coupé la bonne largeur. Là, et là, je pense pas que je vais savoir faire mes... Non, il faut que je reprenne une plaque. Bon, ça y est, elle me servira, elle n'est pas perdue. Enfin, une plaque, une feuille. Alors, on arrive à la fin, hein, enfin. Bon, je vous promets, hein, les prochains albums ou prochains tutos se feront plus vite. Edith, je crois que tu as fait une bêtise, non? J'ai dit 15, 25. Ah non, c'est bon. Ça y est, c'est moi qui me... Je me fais peur toute seule. Alors, là, j'ai dit 16, 25 pour la deuxième. 1, 2, hop, ici, voilà. Alors, pour la fermeture de ces deux portes, vous aurez le choix, suivant vos moyens. Soit avec des rubans, vous mettez des œillets ou des trous, ou seulement des trous, hein, si vous n'avez pas d'œillets. Soit avec du scratch, pourquoi pas, si vous avez du scratch, puisque là, il y aura une porte qui sera un peu plus longue. Soit avec comme moi je vais essayer. Oh purée, c'est pas vrai, mais c'est une calamité ce chat. Bon, bouge fifille, bouge. Là je suis en... Regardez, ouais, voyez ses pattes, regardez ce qu'elle me fait. Comment voulez-vous que je travaille? Allez ma grosse. Allez, mon mémère, sois gentil. Du coup, elle m'a coupé, je ne sais plus ce que je disais. Oui, moi, je vais essayer de mettre une fermeture en métal. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, ici. Alors, je regarde. Le côté le plus grand, moi, je vais le mettre à ma gauche. À gauche, voilà. Et le côté plus petit, je vais le mettre à droite, bien sûr. Donc, je vais faire mes 2 cm, mon pli de 2 cm, donc que j'ai marqué ici, à gauche, bien sûr. Et là, je vais marquer mon pli de 2 cm à droite. Voilà. Alors, les plis des portes, c'est vrai que je les fais toujours un peu plus grands, hein, parce que on les bouge un peu plus. Donc voilà, ça c'est fait. Je prends ma plaque de rainurage. On va se mettre devant. On va la mettre bien droite. Oh là là, pourquoi je prends ça moi? Et la deuxième. C'est pas moi qui grince, hein. C'est toujours la porte d'entrée de mon immeuble. Un jour viendra peut-être qu'ils vont venir me la réparer. Alors non, pas celui-là. Alors, je vais couper un peu les angles.
Voilà. Celui-là. Vous pouvez arrondir aux portes, hein, là vous faites comme vous voulez. Alors, je regarde toujours parce qu'il y a plus. Ah! J'ai oublié. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. J'ai oublié de couper la hauteur. Il n'y a rien de grave. Ça se. Alors, j'avais dit 18. Donc, l'angle, je vais le refaire de ce côté-là. Mais il n'y a pas de problème. Je me disais, mes portes sont un peu grandes. Comment se fait-il? Eh oui, Edith. Tu fais des conneries de temps en temps. Enfin, j'en fais souvent. Hein. J'en fais souvent. Voilà. Hop, on va le réparer. Voilà, on va couper son angle. Et la deuxième. Donc 18 également. Voilà. Et voilà. Et on recoupe un petit peu l'angle. Voilà, mes portes réparées. Vérifier comme ça déjà sans couper. Impeccable. Je dirais même mieux d'impeccable. Voilà. Donc maintenant on va couper dans notre feuille de fond les fentes qui vont permettre de mettre les portes donc à 1,5 du c'est bien ça hein, que je me trompe pas, oui, à 1,5 du bord et 1 cm en haut et en bas. Non, Edith, ne pars pas de travers. Voilà, la première. Et la deuxième, voilà. Donc
je réfléchis que j'ai rien oublié. Si j'ai, ça va aller. Zen, on va rester zen. J'ai oublié mon tout petit, mais c'est rien. Ça, comme il y a quoi, il y a 2 mm, donc on va le rattraper là. Vous savez, pour l'épaisseur, donc on va refaire juste. Donc, moi je me mets là, juste un trait à quoi, à 2 mm. Voilà. Comme ça. C'est comme je vous ai déjà expliqué, c'est juste pour l'épaisseur. Voilà. Donc là, on va marquer le pli. Voilà, voyez, comme ça vous donne une petite épaisseur. Et voilà. Non, Fifi. Oh là 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 là. Alors. Fifi, bouge. Sinon, je vais coller ta queue. Donc avant de coller, on vérifie toujours, hein, comme d'habitude. C'est pas beau ça, du premier coup. Oui. Génial. Voilà, vous voyez? Alors maintenant, j'ai oublié mon double face. Encore merci les copines de m'avoir dépanné. Bon, Fifi, maintenant, je vais me fâcher. Regardez là. Mais regardez-moi cette fauchetonne. Allez, elle est grosse. Alors, j'ai envie de changer aujourd'hui. Je vais en mettre le long du papier directement. Je profite pour essayer plusieurs techniques. Hein.
peu de zoom, non? Ça irait pas mieux avec un peu de zoom? Alors, il est où mon bouffe? Il est là. Non, Fifi! Oh là là! Et voilà. Alors. Non, je vais quand même en mettre là puisqu'il est grand et ça tiendra mieux. Alors, j'en profite pour vous demander si vous voulez revoir un tuto d'album, un mini, un grand ou toute autre chose. Voilà, dites-le moi. Vous me direz en commentaire. Bon, là je sais que je vais faire un peu de cartonnage. J'ai quelque chose à faire en cartonnage. Donc le scrap va être mis de côté pendant quelques jours, hein, pas longtemps. Voilà. Allez, maintenant. On peut enfiler nos portes. J'ai mon petit vieux qui est derrière moi, pas mon mari, hein, je vous rassure, mon petit vieux poilu, et il ronfle, mais il ronfle. Voilà, c'est toujours le moment délicat de coller. Et ben voilà, c'est ce que je disais, c'est le moment délicat de coller. Ah, crotte. Donc voici, voilà, j'ai réparé, mes portes sont posées. Donc là où c'était déchiré, donc j'ai rescotché. Bon là, ça bouge encore, hein, mais après ça bougera plus quand il y aura la page noire derrière. Et pour réparer, donc j'ai mis... Fifi, pitié. J'ai mis du double face ici, j'ai remis un bout de washi et j'ai fait un bord de washi tout au long. Voilà, comme ça, ben, on ne voit plus rien et c'est solide. Voilà, bon, ben, ça arrive, hein. Voilà, même à moi. Hein. Donc, j'ai pas oublié de gommer mon trait avant, bien sûr. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, voyez.
Allez, rentre dedans. Voilà. Ça devrait aller. Donc, comme d'habitude, hein, je prends dans le Toga 15-20. Je kiffe trop ce papier cabinet de curiosité. Il est trop trop beau. Paf paf paf. Bon, je pense que je vais mettre ça. On va voir. Alors, de toute façon, là, il va m'en falloir deux. Hein. M'embête parce qu'il faut couper le dessin. Alors, je mets celui-là. Celui-là, je peux couper, ça m'embête pas. Ouais, je vais déjà mettre celui-là. Donc, je reprends les mesures de ma porte. Donc, ma porte, là, elle fait, donc avec les plis en moins, bien sûr, elle fait 13,07 sur, alors, 13,07 sur 17,09. Super, hein, les mesures. Alors, 13,07, c'est dans ce sens-là. Alors, 13,07, ben, ça va me faire 13,02, voilà. Déjà coupé ça. Et j'ai dit combien là? 17,09. Donc là, je vais plutôt... Oh, mais c'est pas vrai aujourd'hui! Bouge! Bouge! Fille. Alors, j'ai dit 17,09, donc j'enlève 5, ça me fait 17,04 en hauteur. Voilà, donc avant de remettre le double face, je vérifie que c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, je peux mettre mon double face. Alors, j'en suis donc à mon 10e rouleau pour cet album. Il n'est pas fini. Hein. Mais c'est bon, on arrive à la fin maintenant. Hein. Là, après, on n'a plus qu'à faire les... l'assemblage et le, finir la couverture intérieure extérieure et la déco. Et après moi il me restera à voir qu'est-ce que je vais mettre comme photo dedans, voilà, parce que ça j'en sais rien. Je fais un album, mais je ne sais pas ce que je vais mettre comme photo.
Allez, un petit bout au milieu pour que ça décolle. Et voilà. Et à côté, donc est-ce que je mettrais ça? Non. Non, ça me plaît pas. Moi, je fais un rappel du vert peut-être. Alors, tac, tac, tac. Non, je suis difficile, mais elle est difficile. Ah bah voilà, ça. Ça c'est très bien, ça fait un rappel. Alors, comme ça. Dommage que dans ce sens-là, ça n'aille pas. Non, pas rien. Allez, je mets ça. Donc, là, pareil. On mesure. Donc là, moi, j'ai 12,08. Sur 17,09, la hauteur elle n'a pas changé. Alors 12,08. Donc 12,08, ça nous fera 12,03. Je coupe. Fifi, pitié. Et en hauteur, on a dit 17,09, donc ça fait 17,04. Ah, c'est pas facile tous les jours avec les filles, hein, je vous le dis. Voilà. Allez. Bouge un peu. Et voilà. Donc la couverture extérieure est faite.
Oh, ça t'aime pas, hein, mais t'as un caca dans l'œil. Montre. Voilà, comme ça. Voilà. Oh, ben oui, mais maman, elle aime pas que t'as des cacas dans les yeux. Et elle aime pas que je le fais. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir poser ma fermeture. Comme ceci. Mais bon, avant de la poser, je vais commencer à travailler l'intérieur. Mais pas... j'ai mon téléphone qui sonne, je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoilà. Désolée, j'ai dû vous abandonner parce que le téléphone avait sonné. Donc, on va s'occuper de l'intérieur maintenant. Bah, comme d'habitude, j'ai rien préparé. Ah, par contre, je vais rallumer. On verra mieux. Voilà. Je suis toujours pas plus clair. Donc, je ne... Voilà. Je cherche ce que je voulais faire. Je voulais faire un certain truc et en fin de compte, ça fonctionne pas. Donc, alors, par contre, elle est pas de colle aujourd'hui. Donc. Alors, on réfléchit bien. Alors, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. C'est clair de le dire. Voilà. Là, alors le milieu, est ici, voilà, et on s'en occupera après. J'ai envie de faire un truc un peu bizarroïde, mais bon. Donc là, il va me falloir un carton de 17,5, voilà. Donc je fais toujours un peu plus court que les portes, hein, pour pas que ça dépasse, pour que ce soit plus joli. 17,5. On va déjà couper cette partie là. Donc en largeur, donc il nous faut, alors là ça nous fait 12,07 pour arriver au milieu, mais pareil je vais le faire un peu plus court. Donc on va faire, parce qu'il va y avoir un rebord, pom-pom-pom. 12,04. Oui, je sais, je suis chiante aujourd'hui. Je vous fais plein de virgules. J'avais envie comme ça, bah, de... pour la dernière page. En plus, je vous la fais à l'arrache là. J'ai strictement rien préparé. J'avais une idée dans ma tête et puis en fin de compte, je suis complètement partie sur autre chose. Donc, par contre, mon idée, je l'ai toujours. Je la ferai sur un autre album. Mais, et voilà, je suis partie de traviole. Mais mon idée est un peu complexe. Donc, il va quand même falloir que je la prépare, que je la travaille. Pour pas faire du grand n'importe quoi. Voilà. Voilà, il dit, quand tu papotes, voilà ce que tu fais des conneries. Rien. J'ai envie de vous faire des trucs bizarres. Et Coco et moi, on a vu des petites idées d'albums complètement bizarres. Et ça me donne des idées. Voilà. Donc, je vérifie. Ouais. Alors, je ne colle pas tout de suite. Parce que. Alors. Parce que on va faire une petite chose d'abord. Là-dessus, on va ajouter
Bon, là, il n'y a pas besoin d'ajouter 2 cm. Hein, c'est pas. On va ajouter quoi? Bon, 1,5. Alors, 1,5. Voilà. Je vous explique tout. Donc, là, on va couper. Alors. Je fais pas exprès, hein. Ça nous fait du 13,08. Mais oui, désolé. Voilà. Aussi, on va faire un pli. Bon, c'est un vrai. Ah, je sais pas que vous montrer. C'est le vrai boxon quand je travaille. Je ne sais pas vous, mais moi. Bon, on va mettre un petit double face. Et ça nous fait un carré de... Enfin, à peu près un carré. Alors, je vous donne les dimensions. Excusez-moi. Donc, sans compter la marge. Sur... 13,4. Voilà. Je mets le scotch de ce côté là. Donc là, je vais peut-être arrondir un peu, arrondir ou faire une bordure. Non, je vais faire une bordure. Alors. Une petite bordure comme ça. Vous voyez que je vous dis quand je fais à l'arrache.
Je vois clair, je vois pas clair. C'est pas dans le bon sens, c'est dit, tu verras mieux. Voilà, hop, petite bordure comme ça, j'avais envie, voilà. Bon, si vous n'avez pas de perfo bordure, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. Oh là 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 là, Edith. Alors là, ce qu'il faut, c'est mettre au milieu. On va lui mettre un petit aimant. Non, qu'est-ce que c'est le double face que je vais mettre. Mon Posca blanc. Non, monsieur. N'importe quoi. Voilà.
Voilà. Non, c'est ce que je fais. Je décolle maintenant. Je vais avoir des surprises. Voilà. Comme ça. Hop, ça tient. Voilà. Alors, j'ai mis que 3, voilà, en haut j'en ai pas mis, mais j'ai envie de faire passer un petit tag. J'espère que ça va pas gêner avec l'aimant, on verra. Alors du coup, tac tac tac. J'enlève ça. Oh, cette colle, c'est une catastrophe, hein. Donc on va poser à ras. À ras et au milieu pour qu'il y ait un petit espace en haut et un petit espace en bas. Voilà, voyez. Je surveille parce que j'ai plus beaucoup de batterie. D'utiliser au maximum mes chutes pour faire des choses. Donc là, on va faire une pochette. Alors,
Alors, on va continuer donc en faisant notre pochette pour la poche, la porte intérieure gauche. Alors, on va d'abord installer Fifi sur son petit coin. Voilà. Hop, comme ça, elle ne m'embête pas. Donc, on va mesurer à peu près, surtout la hauteur. Voilà. Et je vais rajouter 5 mm à peu près. Ici. Et là, à peu près ici. Donc normalement, alors je remesure, mais votre papier fera 14,5 sur 6. On va faire des petits plis. Donc pas grand chose, hein. On fait 2-3 mm. Chaque côté sauf le haut bien sûr. Donc pourquoi je fais des plis, c'est juste pour avoir un petit peu d'ampleur quand on va mettre des choses dedans. Donc on va couper un peu l'angle. Un petit peu les angles sur les côtés. Donc là, avant, je vais coller mon papier déco. Mais avant de coller mon papier déco, il faut que je mette ma fermeture. Donc. Voilà. Alors, avec mon... bon, je vais prendre mon Posca. Je vais marquer les emplacements. Non, parce que ça se voit pas blanc sur blanc. J'ai mis où mon crayon gris? Là, il est là. Donc j'y suis. Je vais noter, marquer tout de suite de l'autre côté. Voilà.
Donc, je vais prendre mes attaches, mes brades. Donc, il m'en faut deux pour ce côté-là. Alors, pourquoi je les mets maintenant? Comme ça va être caché avec le... Je vais allumer peut-être, voilà, avec le papier déco. J'avais un poinçon, mais je sais pas, je retombe pas, je retrouve plus, je sais pas où il est. Donc pour être sûr que ça tienne bien, moi je vais mettre un petit point de colle en plus. Voilà. Vous voyez? Donc pour solidifier, je vais déjà mettre un bout de double face. Alors maintenant, je vais choisir, on fera l'autre côté après. Je vais choisir mon papier que je vais mettre dans le fond. Donc là, ben, comme j'avais préparé le vert, je vais mettre le vert. Voilà. Donc là, vous prenez votre mesure par rapport à votre porte. Hein, vous laissez... 2-3 mm de chaque côté seulement pour que l'on puisse voir un peu le papier noir. Et voilà, comme ça, vous voyez, on ne voit plus les brades, les attaches des brades. Voilà. Donc, on va faire pareil de l'autre côté tout de suite, comme ça, ce sera fait. Il me faut deux brades. Voilà. Donc voilà, maintenant, alors, je vais vous mettre un peu le zoom. Et voilà, nos portes sont fermées. Bon, Fifi, hop là. Donc maintenant, Fifi. Vous avez vu passer un gros matou. Enfin, une grosse minette. Donc voilà, mes fermetures sont mises. Donc là,
je vais mettre la même couleur, hein, je vais mettre du vert aussi. Voilà, j'en ai un. Donc on refait la même chose, hein. On mesure. Allez, on met à l'intérieur de la page, on enlève. Et on y va. Petit papier qui bouge. Voilà. Donc voilà. Ça commence à prendre forme. Donc ici, on n'a pas terminé, hein, bien sûr. Donc ma petite pochette, on en revient dessus. Alors, qu'est-ce que moi je vais lui mettre je vais lui mettre du ruban. Voilà, comme ceci. Donc vous mettez ce que vous voulez, hein, du papier, du ruban, ce que vous avez sous la main. Hein. Donc je vais lui mettre du double face. Voilà. Donc j'ai plus qu'à couper. Voilà. Et voilà ma petite pochette. Bon, là, il y a un tout petit décalage, mais bon. Voilà, regardez. Donc, alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je vais mettre un peu de washi sur le haut.
pris mieux, je préfère. Donc là, après, je ferai un tag. Ici, on va laisser comme ça. Là, on pourra mettre une petite photo, une grande. Là, là, une petite photo. Donc, ici, je vais cacher l'aimant avec du washi. Donc faites-le avec du washi, un ruban, ce que vous voulez, ou recouvrez de papier. Oui, vous étiez dans le noir là, excusez-moi. Voilà, voyez, comme ça c'est caché, et puis après avec la photo de toute façon on ne verra plus non plus. Voilà, donc on va s'occuper ici maintenant, et ici. Alors ici j'ai envie de mettre une comment, un patient. Donc là ça va être trop large bien sûr, on va le diminuer. Voilà, et là on va faire la bordure. Et voilà. Voilà, c'est ça. Fifi, ouh, je vais me fâcher tout rouge, hein. C'est fou ce qu'elle a peur. Recouper un tout petit peu. Voilà. Et mettre un peu de double face fin à chaque extrémité. Le milieu bien sûr, on essaye de se mettre droit, voilà, on va mettre une déco au milieu. Alors qu'est-ce que je vais mettre, non pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, non, mais le washi. Donc comme ça, on a une pochette. Voilà. Vous voyez ? Donc maintenant ici,
Alors, il me faut une feuille noire. Donc ça fait 17 et demi. Voilà. Et je reprends la mesure, mais de la largeur. Alors, la largeur, elle fait 12,3. Donc, je vais reporter 12,3 là. Vous allez voir pourquoi. Donc 12,3 plus 12,3, 24,06. Yes. Les chiffres commencent à s'effacer sur ma règle. Hein. La table à rainures pour faire un beau pli au milieu. Donc on fait comme un petit carnet. Donc, avec ce petit carnet, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Vous avez vu, hein, je cherche toujours, hein, j'ai vraiment rien préparé. Alors, par contre, faut que je recoupe un peu dans la... Dans la hauteur, il y a un tout petit peu trop, donc ça fait rien. On va recouper un peu. Voilà, impeccable. Allez, on continue. Donc, on a fait un... Oh, je vais allumer parce que là, il n'y a plus de luminosité. Voilà. On a commencé à faire un premier petit carnet. Voilà. Et on va en faire un deuxième. Donc là, je vais reprendre une feuille. Donc là, je vais la couper en deux.
chercher ça pour l'instant. Donc là, je vais calculer la moitié. Donc 21. Donc la moitié, ben ça fait 10 et demi, hein, bien sûr. Voilà. Là, je vais refaire un pli. Donc voilà. Donc là, par contre, on va devoir faire une petite charnière, hein, bien sûr. Donc on va prendre une chute de papier noir. Donc on va, pareil, on va mesurer. Donc il va me falloir deux charnières, donc une fois 2 cm, une fois 4, je remarque en bas. Donc, le deuxième petit carnet fait en hauteur 14,08 et en largeur 21. Et on replie en deux. Voilà. On va plier nos charnières. Donc là, je vais le remettre à plat. Et alors, que je ne me trompe pas. Donc je mets bien le scotch de ce côté-là. Donc on met bien au bord. Voilà. Et là, on fait attention de mettre bien au milieu.
Je me demande si j'ai besoin d'un deuxième. Non. Non, regardez, vous voyez, j'ai pas besoin d'un deuxième. J'ai pas besoin d'une deuxième charnière. Donc c'est bon. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir mettre des grandes photos, des plus petites. J'ai une grande là. Donc moi, pour cacher ma charnière, je vais mettre du washi. Voilà. Donc j'ai mon petit carnet. Vous voyez? Donc je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Ce sera plus joli dans ce sens-là. Donc là maintenant, du double face derrière celui-là. Voilà, alors, ça sent bien de se mettre à ras et bien centré. Voilà. Ah, j'aurais dû mettre un petit aimant peut-être. Il n'est pas trop tard, mais alors on va mettre un petit aimant. Ouais. Double face. Donc on va mettre du washi après, c'est rien. Voilà, ni vu ni connu. Comme ça maintenant, on peut fermer notre petit carnet. Voyez. Donc, on peut laisser comme ça. On peut mettre du papier. Là vous faites comme vous le souhaitez, on n'oublie pas de gommer ses traits. Voilà. Là, là j'ai un peu de washi qui dépasse, c'est rien, on va le recouper. Voilà. Là, je vais pouvoir poser une mettre une photo. Bon, voilà, désolé, nous avons une petite coupure, mais heureusement on était arrivé à la fin de la page. Donc il y a 30 secondes qui n'ont pas été filmées.
Donc voilà, je vous remontre. Donc j'ai terminé le tag. Voilà, c'est ça que vous n'avez pas vu. Donc, alors les mesures pour ce tag, il fait 13 cm sur 8 cm. Voilà, j'ai arrondi les coins, j'ai percé en haut et j'ai mis un petit ruban pour pouvoir mieux le tirer. Et là, par contre, du coup, j'ai arrondi un peu, j'ai fait une petite encoche, voilà, pour plus de facilité pour l'attraper. Donc notre page 8 est terminée et donc notre dernière page d'album. Voilà, on arrive au bout. Enfin presque, puisque maintenant la prochaine vidéo ce sera le montage de l'album. Donc la déco sera faite en même temps, hein, comme d'habitude, comme je vous ai toujours dit. Donc là, vous n'avez pas vu le montage sur la page noire, mais ça, il n'y a pas de changement. Vous mettez bien du double face sur la page déco, hein, sur l'envers, bien 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 partout, et vous la collez sur la page noire, comme pour les autres feuilles. Là, il n'y avait aucun changement, donc c'était pas très important que vous ne l'ayez pas vu. Voilà, donc vous reportez à la vidéo précédente à la fin, et vous le reverrez si vraiment vous voulez vous le remettre un petit peu en mémoire. Donc je vous remontre, donc là moi j'ai fait un petit fermoir en métal, hein. Donc vous faites comme vous voulez, un aimant, une pression, un ruban, un scratch, des œillets, vous mettez ce que vous voulez, voilà. Donc, alors, je vais mettre comme ceci, la première page, la voilà. Donc là, pour l'instant, il y a deux tags, mais je vous ai dit, j'en ferai peut-être un troisième. Donc, avec une petite pochette, voilà. Donc, on pourra mettre une photo de chaque côté si on le souhaite. Donc, si je mets trois tags, ben, ça fera six photos. Voilà. Ici, on pourra mettre une petite photo. Donc là, il y a un aimant, hein. On pourra remettre une petite photo ici et une grande là. Donc ça fait déjà 6, 7, 8, 9 photos. Sur le tag, si vous avez des toutes petites photos, vous pourrez en mettre. Ou alors vous mettez un texte. Voilà. Ou un petit souvenir, vous collez un petit souvenir dessus. Là donc, il y a la fermeture. Ici, voilà. Ici, donc, il y a un passant. Pour mettre une photo là, le petit carnet, donc on peut mettre une grande photo ici, donc on a fermé avec une pression, on peut mettre une photo ici, une grande, le deuxième petit carnet qui est à l'intérieur, donc des photos un peu plus petites, donc une photo, deux, trois, quatre photos. Et encore une grande ici. Voilà. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos pour ce côté-là. 9, 10, 11. Bon là je compte pas parce que vous voyez vous-même si vous mettez des photos ou pas. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc au maximum. Grand maximum, même 17, même vous pouvez encore rajouter les tags, hein, là vous pouvez faire entre 17 et 20 photos sur cette page, donc c'est déjà une très belle page et elle se referme comme ceci, voilà, voyez, donc elle est pas compliquée, moi je la trouve jolie. Là, donc, on peut mettre des photos de différentes dimensions, du coup. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions pour la construction de cette page, ben, n'hésitez pas, hein, me poser des questions en bas de la... en dessous de la vidéo, bien sûr. J'y répondrai avec grand plaisir. Et donc
vous aurez prochainement, donc là aujourd'hui nous sommes quoi, mercredi, nous sommes mercredi, demain je fais le live, donc je n'aurai pas le temps, vendredi, samedi, je ferai lundi, oui je pense que lundi je ferai le montage de l'album, et on verra si ça a été assez vite, on fera la décoration en même temps, voilà. Sinon, on refera une mini vidéo pour la déco, mais bon, ça, on verra. Mais lundi, on fera donc le montage de l'album et on aura fini. Voilà, j'aurai fini l'album. Vous aurez enfin toutes les vidéos de cet album et je m'excuse encore d'avoir été aussi longue cette fois-ci. Voilà. Et bah, quand les albums seront finis, n'hésitez pas à venir me montrer votre version. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. N'oubliez pas de me... si vous le souhaitez, venez me montrer les versions de votre album. Ce sera avec grand plaisir que j'aimerais les voir. Voilà. Et puis, bah voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Bon scrap à toutes. Hein, bricolez bien, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.